Yo les Saiyans, ou re les Saiyans. Ouais, donc bienvenue sur J-Connection pour ce let's play, encore une fois, de Dragon Ball FighterZ. Et on est donc dans la saga des ennemis, on approche de la fin. Chapitre 9, voilà. Carte numéro 11, la chasse aux clones, numéro 21 est furieuse. Alors est-ce qu'on va la recroiser? On vous rappelle que dans la précédente mission, on a secouru Vegeta, ouais. Qui n'était pas très fier d'avoir à s'allier à Cell et Frieza. Mais au moins, on l'a dans notre équipe maintenant. Ouais. Et il est niveau 20, ce qui n'est pas négligeable du tout. On devrait peut-être entraîner Majin Buu et Tenchinhan. Et même Kulilin qui est niveau 5. Oh ouais. Au moins Majin Buu et Tenchinhan, tu vois. Kulilin, je sais qu'on l'utilise pas trop. Non. Par contre, il y a quelqu'un à sauver là. Il y a Ultimate Gohan à les sauver. Donc on va peut-être pas mettre Majin Buu, tu vois. M'excuserai, mais Ultimate Gohan, nous on va le chercher. Hein. Donc tu veux qui? Allez. Alors on a Vegeta, Majin Buu, t'as mis Majin Buu? Prendre Goku. Ouais, mais Goku. Et un troisième ouf, peut-être en... Un ouf, tu veux mettre un ouf en troisième? Bah, Piccolo, faut le monter un peu, il est niveau 18, ça allez, pue du cul. C'est une belle team. Ça pue du cul, niveau 18. Allez, on va secourir son élève. Petite cinématique. Passe leur temps rétame par terre, non, c'est, c'est ça. Hé hey, Marc Dupuis. C'est Jean Dupuis. C'est mon fils. Là, ils ont pris la coke. C'est une blague. C'est La réaction de Cell par rapport à Gohan, c'est un peu la même que Vegeta par rapport à Kakaroto. Yeah, I very like sugar. And we can begin. Moi j'ai entendu ça après, je sais pas ce que vous en faites, mais. Un gars, il a entendu I very like sugar. Yeah, yeah. Vegeta qui met des coups de coude et des coups de pied aériens. Ouais, mais non, c'est pas stratégique de l'utiliser contre Team Edboran. Ce qu'il fait contre Cell. Je suis en train de me péter mon Vegeta contre Team Edboran et c'est l'un de ceux qui attaque le plus vite. Et Vegeta, il est à la fois vif et à la fois, il concentre pour faire des patates. Ouais. Et ils sont pas très compatibles. Mais là, il concentre pour s'étaler par terre, je pense que t'as remarqué. Goku, tu auras ses rames. Tu crois qu'elle a bien concentré pour faire ça? Dites-le dans les commentaires. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire. À quel endroit du mode histoire vous êtes sans spoiler, parce qu'il y en a qui, comme nous, justement, ne sont pas forcément à ces endroits-là. Mais on est intéressé de savoir votre avancée également. Ils sont chauds. Hein. Niveau 31, tu sens que... Sachant que nous, évidemment, on n'y joue que pour les vidéos en mode histoire. On n'a pas avancé en solo. Donc, voilà, on ne peut pas avancer à un rythme au-delà de celui que vous voyez en vidéo. Même si, évidemment... Au moment où vous voyez cette vidéo, c'est sûr et certain qu'on a déjà terminé le mode histoire. Mais vous le verrez bientôt. Voilà. Bon, la vidéo ne sort pas à la minute précise où on enregistre. Elle sort un peu après. Makanko Sapo. Ça, là, il m'a fait même un Makanko Suppo, même, je pense. Ça t'est rentré par un trou, mais c'était pas le. Ouais. C'était pas l'orifice prévu à cet effet. J'ai l'impression qu'il crie Souther, le. J'allais dire le journaliste, c'est pas un journaliste, mais presque. Commentateur. Il veut m'enfoncer dans le sol, mais quelque chose de lourd. Tu crois qu'il y a des taupes dans la capitale de l'Ouest? C'est des taupes qui ont des colliers capsule corp et tout. Ouh, il a bien allongé son bras là. En fait, je comprends maintenant les gens qui... les pro-gamers à Street Fighter, Guilty Gear, ces conneries. Je dis ces conneries, c'est pas un manque de respect, ça. Pour dire tout ça. Qui vraiment s'acharnent jour après jour, mois après mois sur ces jeux-là, parce que c'est... Je t'en lasse pas, quoi. Et là, Dragon Ball FighterZ, on l'enchaîne depuis 3 jours maintenant. Nous, ouais. À notre niveau, vous, ça fait déjà plusieurs jours que vous voyez les Let's Play. Mais nous, on essaie de les enregistrer en même temps, quoi. Pas... On va pas se réunir tous les soirs pour jouer à FighterZ, hein, vous comprenez? Bon, ben, on s'est fait... je me suis fait bouillard. Donc, du coup, depuis 3 jours, bah, c'est le plaisir intense.
Alors, Ginyu, on n'a pas. Ginyu. J'y suis Captain Ginyu. Parce que changement de corps, etc. etc. On n'a pas encore vu une seule fois ce body change. C'est vrai. Et vu que je suis absolument, totalement nul pour faire des ultimates, dans ce jeu tout du moins. On risque pas de le revoir aujourd'hui. On risque pas de voir le body change dans ce. Là c'est maintenant. Bon. Gohan qui s'étale dans les fissures, c'est bon. Soitsu wa watashi no aite da. Normalement, tu devrais t'en sortir vu que je les ai amochés. Et on parle pas de Yamoshi, évidemment. Non. Piccolo, quelques coups et. Dès le début, il sort la merde. Un petit croche-pas de bim. Bim bam boum. Voilà. Alors, Trunks, c'est un personnage. Kono, c'est, le... c'est un personnage que j'aime bien jouer, Trunks. J'espère qu'on l'aura vite dans la team. Faut aller le secourir absolument. Parce que j'adore. D'ailleurs, cet arc, ce deuxième des ennemis, entre guillemets, m'a l'air plus long que celui des. Je pense que c'est une idée. J'ai pas l'impression. Je suis pas certain. Bon, là, il est mort, là, on est d'accord. Un double ultime, je crois que. Il s'est fait griller dans un coin. Du coup, level up pour Frieza. Non, pour Cell. C'est bon, ça. On va avoir Ultimate Gohan. Et on gagne une cinématique. Ce qui est pas plus mal. Comment il le regarde, Frieza. Mais les animateurs du jeu sont super forts. Son Goku de. セルとフリーザを見張ると思って。なるほど。そういうことなら僕にも協力させてください。しっかり聞こえていましたが、まあいいでしょ。そのくらいの警戒心も抱けないような間抜けは邪魔なだけですからね。 Je suis surpris que Cell n'ait pas mis plus de verve à avoir cassé la gueule de Gohan. Effectivement. Ou alors c'est parce qu'il est repu d'avoir pu affronter son clone. En plus, il est niveau 19, il va falloir le faire level up. Alors, il y a quoi à faire? Il y a quelqu'un à sauver? Il y a Yamcha à sauver là-bas? Gotenks. Gotenks, on gagne Gotenks. Et le boss, c'est Tenshinhan là-bas. Donc, on va chercher. On va aller chercher Gotenks. On va chercher de la force. On va chercher de la force stratégique. Franchement, si c'est pas eux. Tu l'as sans venir la pause. よろしくお願いします。まさかこいつと手を組むことになるなんてびっくりだぜ。あの舐め癖にいたサイヤ人のガキがこんなにでかくなってるなんてな。それだけ みんなが長い時間あの世にいた証拠だ。お前たちとこうして再び戦えること、隊長として嬉しく思うぞ。隊長、俺たちも嬉しいです。再びメンバー全員が揃う日が来るとは。この感動を胸にフリーザ様に誠心誠意を使えしよう。お前たち気合を入れろよ。 近くに敵が迫ってるんですけど。ダメだ。誰も聞いていない。仕方ない。
Pendant ce temps-là, les autres tapent des pauses derrière. J'ai bien cru à un moment donné qu'on allait voir Gohan se prendre pour Great Saiyaman. Mais ça aurait été bizarre sans son costume, en fait. On l'a jamais eu faire, donc ça aurait été bizarre. C'est taper la pause, faire un petit dab, etc. Ça aurait été tellement bon. Mais encore une fois, les développeurs, ou plutôt la team qui a travaillé sur le scénario de ce jeu a parfaitement saisi les personnages. Et au niveau du développement justement, tout ce qui est animation des personnages, réalisation, leurs visages, leurs expressions faciales, c'est un truc de fou. Ils ont pris les meilleurs plans qui existaient de chaque perso, ils ont réussi à, je pense, à en faire un perso à part entière, et ça c'est fort, très très fort. Parce que tu regardes le cinématique, t'as l'impression de voir le manga en animé, quoi. Ouais, c'est ça qui est fort, parce que même l'animé n'a jamais réussi à être aussi beau de manière constante. Et c'est surtout que là, en plus, c'est le trait d'Akira Toriyama, quoi. De tout le temps. C'est vrai que Frieza, il a jamais été aussi parfait dans le jeu. Tu prends des épisodes, c'est tellement hétérogène. T'as des épisodes, il est dégueulasse, c'est pas Frieza. T'as des épisodes, il ressemble un peu, mais il a la tête tordue. T'as des épisodes, il est bien fait, il est super bien fait, mais après, ça dure pas tout l'épisode, donc l'animateur excellent qui a fait ces plans-là, tu le vois 2-3 minutes dans l'épisode. Sur 23 minutes. Donc, c'est exceptionnel quand même ce qu'on voit dans le jeu. Pas mal le rendu. Alors, je sais pas si on vous l'avait laissé dans un précédent let's play. Parce que parfois, il y a des. D'accord. Donc, ça se met en plein écran. Parfois, il y a des petites interruptions. Parce qu'il y a les. Comment ça s'appelle? Les didacticiels dont on se fout complet. Qui ont été de temps en temps coupés hein, pour vous faire gagner un peu de temps. Mais celle. Je sais plus ce que j'allais dire avec celle en fait. J'allais dire un truc à propos de celle. Mais je sais plus quoi. D'ailleurs, j'étais parti pour vous faire un monologue. Mais en fait, je me suis perdu. T'as été perdu par Golden Freeze. Dans mon histoire. C'est compliqué de se concentrer et de parler en même temps. Et de profiter du spectacle. Eh oui, oui. En même temps, vous regardez une vidéo let's play, tu vois. Si le mec il parle pas. Allez, tiens, je l'ai fini avec des KU, il a fait. Allez, prends les cailles. Rentre chez toi, pendant que je casse le micro. Allez. Régénération santé. Bim. Level up. Le level, j'aime bien. Par contre, Gohan n'est que niveau 20, c'est pas ouf. Non, on va le garder parce que je le kiffe. L'événement de liaison Son Gohan adulte est déclenché dans les menus de l'équipe ou galerie des arcs. D'accord, bah écoute, ça me fait une belle jambe. Par contre, je vais regarder la team quand même. Pas faire de conneries. Ils sont niveau 32. Ils sont ouf. On est fatigué. Et nous, on pue du cul. Gohan, on va le changer. Il est mort, il va mourir. Bref, gagné. Et Frieza n'a pas où c'est. Frieza est épuisé, je peux pas me permettre de. Partir sur cette team. Allez, donnez-nous des forces, petit Genkidama. Côté ce qu'on avait secouru dans le premier arc. Bah merde alors. J'étais à l'essentiel. Hein. Il y avait que deux répliques et en fait j'ai passé la première par inadvertance et du coup on se retrouve avec. Ouais, c'était pas intéressant. Ouais, bon bah tant pis, écoute. Kuitsu. D'accord, je prends directement. Le lion. Tu vois quand je vois Cell marcher comme ça, j'ai envie justement d'avancer vers le Kamehameha pour qu'il se le prenne et que ça ne lui fasse rien. Mais tu te fais ken. Et t'entends. C'est ça. Mais à chaque fois je me fais ken. De toute façon, le loup contre l'insecte, c'est le loup qui gagne. Ah ouais. Oh ouais. C'était prévisible. Je m'étringale, t'as vu. Je m'étringale. Je fais des death beam au calme, celle-là. Je sais pas si on va. Okay. On voit dans mon gameplay que je suis un tout petit peu fatigué. Du moins, moi, je le sens. Ouais, bah, c'est normal. Il est là à l'heure qu'il est. Il est bientôt minuit et demi. Donc, je pense que ça sera notre dernier let's play du jour. Sachant qu'on a fait 2 lives aujourd'hui et qu'on a joué. On a fait 3 let's play. Et qu'on a fait du tournage aussi. Ouais.
Alors j'ai cru que je maniais Yamcha. Et non. Donc nécessairement ça peut pas aider à jouer bien. Effectivement, le fait est que voilà. Sokidan ! Ah ouais ! Bon là ils sont en train de... C'est une boule à tête chercheuse, t'as vu ? Me mettre à mal, mais de ouf. Il est grand tant que le guignolo, chef guignolo Taicho, il ressort. Glorieux. Glorifié. T'as pas le temps de te protéger avec ces fous. Icrododo. Il lui a pulvérisé le rein, quoi. Laza! Trafic d'organes! Là, il t'a rentré les deux doigts, tac. C'était pas deux doigts coupés fins, ça. Ikimasuyon! Venez ensemble! Malgré tout le respect que j'ai pour vous, je vais vous caresser le crâne. Oh, mais laissez-moi taper aussi. Tous les Ginyu Toxentai t'ont attaqué en même temps. Bon, il est mort. Bon. J'ai été une brêle. Mais. Comme Jacques. Il y a eu du spectacle. T'as fait ton Jacques. C'est bon, ça. Ça, ça c'est... Vous entendez la fatigue. Cette émission est un scandale. Cette émission. Cette émission devrait être interdite. C'est vrai. On va pas se mentir. Donc si vous regardez un truc qui ne passera jamais à la télévision, ça c'est sûr et certain. Profitez-en sur internet de et cette non pas, présence. Profiterol. Ils n'ont pas profiterol. Ouais. Ils sont cons, c'est des rigolos, c'est des bouts en train. Des bouts en train. C'est des saltimbanques. Sachant que bout, on l'a eu tout à l'heure. Tentrain, je sais pas, on l'a pas encore eu. Il est en train de. En train de dormir. Bon, allez. J'ai pris le cuistot italien là en perso principal. T'imagines, il fait des pizzas comme ça. Mais ouais, je vais rouler la pâte, moi. Il écrase ses tomates comme ça. Mais ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Je vais rouler la pâte. Malade, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Il y a de ses paluches. Ah, ça. C'est pas de la verve qui motive, c'est la verge. Attendez. N'oublie pas que t'es Napa, toi. Ouais, je sais. Le cuistot italien. Attends, cuistot végétarien. Je suis vegan. Et bim. Mais t'es chouette. Quand je l'ai écrasé, je l'ai... Il a pris son épaule, il a fait vas-y. Vas-y, vas-y. Gotenks est disponible. Good. Bon, espérant qu'il soit pas niveau 3. On en a besoin. Bah, vu que Majimu était niveau 5, je veux dire, c'est pas impossible. Comment s'est rendu monde dans ce vaisseau? Il y aura bientôt une ville dans le vaisseau. C'est fait. なかなか賢い子供のようですね。誰が一番強いか分かっているようです。ちょっといろいろわけがあるんだ。それより2人に伝えておくことがある。実は今ものすごく強い人造人間21号ってやつを追っているんだ。フォ。だからお前たちは電での所に避難して。人造人間21号。やだやだ。避難なんてやだ。俺たちも戦いたい。 大人ばっかりずるいよ。ルリって気持ちはわかるけんどよ。おめえたちを戦わせるわけにゃ。なんでブーさんの時は良くて今はダメなんだよ。それも言われちまうと、オラも強く言えねえんだけんど。
戦うが戦ううまいが弱ければ死ぬだけ。ああ、足を引っ張ることなんてないよ。俺ってばめちゃくちゃ強いんだから。ならば好きになさい。ただし私の足を引っ張るようなら容赦なく消しますがね。 Ouais, bah tu dois te mettre en golden hein, si tu veux l'effacer, parce que c'est pas sous cette forme que tu vas faire quelque chose. C'est vrai. Et en tout cas, bon, bravo les scénaristes d'avoir souligné cette connerie avec Goten et Trunks, que c'est vrai, Goku il les avait poussés à combattre Majin Buu. Et que dernièrement dans les scénarios récents, c'est « Ouais non, c'est trop dangereux pour eux, mon cul que c'est trop dangereux pour eux. » C'est encore le genre de choses hyper intelligentes que les scénaristes ont mis en avant ici, donc franchement, chapeau bas à ce niveau-là. Là, honnêtement, j'ai rien à leur dire. Ah, bon. Ils ont réussi de manière très intelligente à nous faire glisser des messages. Il est genre 50 millions de fois plus puissant que toi, mais c'est pas grave. Freluqué, oui, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette expression. Ça va aider. Vraiment bonne interaction, bien marrante. Foutre de sa gueule, ah oui, il prend cher d'un pas sur son côté, c'est pas ça la vie. C'est bien fait parce que sur Gotenks, comme il le dit, il est vraiment sérieux en plus. Parce qu'il est dans le délire et tout, mais pour eux, c'est comme ça qu'il s'exprime, c'est boum et tu fais psh. C'est un peu comme toi quand tu parles et tu dis, tu vois le truc qui fait view, etc. Ça t'explique quelque chose. Je te remercie de me comparer à un Gotenks qui sait pas s'exprimer, ça fait toujours plaisir. Ouais, ah putain, il avait plus de vie ton appât. Ah ben, j'en sais plus, j'en sais quelque chose. Moi. T'as vécu combien de pizzas avec eux? Je sais pas, il sait qu'il a fait son pistolet et après. Ah putain, je suis plus habile du tout avec les persos, il est trop tard, je sais plus jouer. Mais dans le prochain let's play, je vous promets un retour en force. Ouais. Oh, Shibata. Pipilipi. Kusso, Zakiagate. Et j'aime bien comment il marche, ce Zakiagate. Hein. Je marche comme un bonhomme, je vois ça. Désolé, mais on court vers la défaite. On court droit vers la défaite. Mais en fait, ils sont niveau 30. Il y a déjà 8 niveaux d'écart par rapport à ces personnages-là. Donc si j'assure pas un minimum, c'est foutu. Et là, là c'est pas de l'assurance, là, c'est viol. Je défends. Ça fait, exactement comme il le fallait. Cristo italien. La la di da di da da. Get ready. Vegito tai Vegito. D'accord. Ah c'est vrai qu'ils conservent leur vie de Yukumana. Je l'avais bien salué.
crois qu'on pourra jouer rapidement avec toi. Bon. Il y a des trucs à faire. Ok, d'accord. Donc, il pointe dans un coin et son délire, c'est... Dites-nous aussi dans les commentaires si vous aussi, votre délire, c'est de coincer les gens dans des coins. Imagine, il y a des violeurs et tout qui répondent vraiment sérieusement. C'est normal, ils sont embêtés. Bah, il y a la police qui va intervenir. On a des coups de tatane aérienne, je sais pas si t'as remarqué. Alors Piccolo, j'ai remarqué, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais il y a des moments où il lance pas de Kikora quand t'appuies sur le bouton de Kikora, il se contente d'allonger son bras. Ouais, ouais, je le kiffe Piccolo. Alors moi ça m'arrange pas parce que je voudrais balancer des Kikora, tu vois, mais... Ah, t'as fait un... Tsunobim, rayon via les antennes. Je sais même pas qu'il y a eu ça là. Bim. Et le dernier. Bouah. Bien joué de sa part, il a fait ce qu'il fallait. Ouais, mais il reste ultimate quand même. Ça fait plaisir. Il y a 10 niveaux de différence. Dites-vous bien. Non, non. C'est ce qu'il faut aller faire parce que sinon c'était fini. Et voilà. Le Vésuve qui entre en éruption. On parlait de cuistot italien. On reste dans le pays. Bon, Grand, il a bien monté. Il a level up de 2 niveaux. Ouais. Ce qui est pas mal du tout. Je te souhaite bon courage parce qu'ils sont tous quasiment épuisés. Au bord de la mort. Ça va être donc compliqué. En fait, tu me donnes la manette pour que je perde. Bah, je pense qu'avec les persos qui nous restent, on peut réussir à le finir. À mourir. Donc essaye de les impliquer le plus possible de ce que tu peux, ce qui reste. Si au moins on en pète un. Il nous reste des level 10, 11, 10 avec un mouchat tout ça. Tenshinhan, il se défend toujours. Carrément. Une bonne garde. Ce qui n'est pas mon cas. C'est un de ces tataneurs. S'il arrive pas à péter ta garde, il te casse le bras, Piccolo. En fait. C'est ça son concept. Je suis déjà à mon deuxième personnage. Hein. Ouais. Il est fort. Si au moins tu peux péter Tenchin Run, ça en fera un moment. Et après, ouais. Faut-il bien jouer. Il a sauté au KLM, le Grand. Il n'y avait plus qu'à faire qu'il suffit. C'est une compagnie. Si seulement il pouvait déclencher son ultimate. Si je savais les déclencher, les ultimates avec Grand. Bien joué. Et d'un. Boum. Niveau 33 de coup pour... Mamie. Il a fait reste couché, fils, qu'est-ce que tu fais? C'est fini. Niveau 33. Il y a 11 niveaux de différence entre les deux. Ah, compliqué, compliqué. On va prendre Frieza Cell et Ginyu. Ça me paraît être le plus propice. Si les 3 meurent, c'est fini. Attends, je vais prendre ceux avec lequel je sens... Qui tu te sens vivace. Allez, même si c'est pas les plus meilleurs de l'année, si j'arrive au moins à les épuiser un peu, tu n'auras plus qu'à le finir avec celle Freezer. Ah ouais. Ah ouais, je vais faire preuve de toute ma technique, ah ouais. Ah ouais, je suis chaud les ballons. C'est le temps de la ragalade. Il met des coups de manchette dans les couilles, William, tiens, je passe ta marque. Je crois ton pote de cheveux là, il est motivé. Ouais, mais le problème c'est qu'il est au niveau 11, donc faut que j'évite le plus possible de me faire toucher, sinon je saute. Genre comme ça. Ouais. Ouais. Nice. Bien.
en cul de merde. On m'a dit qu'il y avait une commande pour la 12. Oui, les chorizo. Qui c'est qui m'a dit sans cornichon? Il te copie. On n'aurait pas beaucoup épuisé. Ouais. Ça sent la mort. Ah ouais, ça c'est sûr, ça sent la mort. Ça sent la défaite. Ouais. La tournade flamboyante. Oula. On l'a débloqué à quel moment ça? Je sais rien. D'accord. D'accord. Bon, je l'ai imputé un peu, Yamcha, espérons que tu vas pouvoir... On va finir tous nos persos pour ce truc. Tous nos persos level 5, level 4, on va les sortir. Laisse-moi un au pire fort pour les deux. Allez, je vais prendre Gotenks. Oh. <笑>問題はダルと誰が合体していることです。俺はゴテンとトランクスが合体した姿だって。もう知ってるだろ。そういうことを言っているのではありません。もう一人の顔に見覚えがありまして、ね。あの顔。間違いなく私を切ったあの男の血縁でしょう。 まあ、じゃあ、共にどう。あの男。私が復讐を果たすべき相手。そんなこと言われても知らないよ。おお。自分の命を捨ててでも、あの男を守りたいのですか。守るも何も。そんな人のこと俺知らないもん。本当に知らないんだって。ま、今はいいでしょう。 物事には順序というものがありますし、まずは目の前の敵を倒し、それから21号を亡き者にする。サイヤ人を全滅させるのはそれからです。あなた、何をぼさっとしているのです。さっさとあの目障りな連中を倒すのです。さもなくば、今すぐこの場で消しますよ。 Frieza qui fait le malin avec Gotenks. Gotenks, vu que c'est un gosse, bah forcément il a peur. Vu qu'il a un visage méchant, hein, Frieza. Allez. Watashi wa Kokoda. Kochini Kui. En même temps, je tombe sur Goku dès le début. Je ne pouvais pas tomber sur Yamcha. Ah, le blanc. Ah ouais. Tu parles du loup. Il montre sa queue. C'est pas ça l'expression? Si, c'est ça, mais... Dans la bouche de Yamcha. Vu que c'est lui le loup, tu vois, c'est un peu spécial comme... Hii. Putain, il me met une droite au moment où je l'attaque, je vais l'empaffer. L'empaffer. Shimata. Putain, je voulais sauter. Oh, bien joué. Allez, Son Goku. Voilà. Bon, fallait étaler Son Goku, on m'a dit. Oh ouais, mais c'est moi le vainqueur. Ah ouais. Je suis Shosha, moi, je suis vainqueur et tout. Vas-y, je fais le Mario, mais il va m'étaler avec son peu. Allez, boum. Bon, voilà, c'est réglé. Prends le queue, c'est lui qui se l'est mangé. Le boom. Boss, c'est réglé. Ça, c'est fait. On a gagné niveau adversaire en récompense. Level up pour Gotenks. Level up pour tout le monde. Ça fait plaisir. C'est cool. On va pas se mentir, c'est cool. Et du coup, on arrive au 9e chapitre et on va terminer la vidéo là-dessus, sur ces belles images. Et on se retrouvera du coup pour une autre vidéo très prochainement. Croyez-moi, ça va faire mal. Matane. Matane. Matane.